Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Big Pharma pour la suite de notre mission Argent Comptant. Alors on a plein de choses à faire, il faut encore qu'on gagne beaucoup d'argent pour réussir ce rang maître. On n'est pas au bout de nos peines. Alors je vois qu'on a nos explorateurs qui sont bons du coup. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on avait recherché la dernière fois. Donc on a plein de choses, on va aller regarder dans les remèdes par ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouveau remède? On pourrait s'attaquer à des niveaux 3. Je vois qu'il y en a deux qui sont assez simples à réaliser. Ici, c'est... par exemple, on aurait réduit les risques d'attaque. Et a competitor has released a new product. Et là, on a le concurrent qui a réalisé un médicament. Ok, on va partir sur réduire les risques d'attaque. On a déjà un médicament qui traite l'angine. On va aller regarder dans l'onglet compagnie. Traite l'angine. On en a un, c'est le puni-angine. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Celui-là, c'est soulage les ulcères de l'estomac. Soigne l'hyperthyroïdie. Ici, c'est notre combat le TDA. Et c'est celui-là qui traite l'angine. A competitor has released a new product. Alors, où c'est que on a le... Dès qu'on l'a passé ici, voilà, il est en traite l'angine, il est à 2. 5, là il passe à 6. Il faudrait qu'on l'augmente jusqu'à 9. Donc là il passe à 5. 6, on l'augmente encore une fois avec ça. On va juste voir qu'est-ce que le concurrent a fait. Soulage l'hypertension, ça va. Hop, et là on peut le passer. Alors, j'y pense maintenant, mais est-ce qu'on a débloqué l'autoclave? On n'a même pas encore débloqué l'autoclave. Je m'avance un peu en fait dans mon plan. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu les plans pour l'instant. On va continuer le tout avec de l'analyse. Base... Non, c'est dans auxiliaire. Voilà, analyseur. Hop, on va mettre un petit analyseur ici. Je vois qu'on a l'ingrédient... On a un point d'ingrédient. On améliore celui-là dans les recherches. On va profiter d'accélérer un petit peu. On est en train de rechercher quoi? Technique de construction avancée, permis de planification. On va partir dans les traitements avancés. Hop, parce qu'on en a besoin. On va engager un de plus pour les permis de planification. Ça pourra toujours être très utile. On améliore un petit peu notre analyseur du coup. On profite. Donc là, new world event. On va pouvoir rechercher l'autoclave. A competitor has released a new product. Des lois renforçant les taxes sur le tabac ont causé une baisse du nombre de fumeurs. Les causes de toux, de bronchite et de cancer du poumon sont tous en diminution. Analysis complete. Hop. L'un des concurrents, Katana Tech, a sorti un nouveau produit, Katana Puni Remontée Atténue TDA. Si ce nouveau produit était breveté, nous ne pourrions pas vendre notre Grimico écrasacide Partena TDA. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore de quoi breveter. Voilà, la force maximum de traite l'angine, c'est ça qui nous intéressait. On va tout de suite voir où c'est qu'on est. Nous, on est là. Si on l'augmente, bah c'est parfait, on avait prévu le coup, on va dire. On va faire un médicament de meilleure qualité. Du coup, hop, on profite peut-être de la place qu'on a ici. Quoique non, ça sert pas à grand chose ce que je suis en train de faire. De toute façon, hop, ici, tchac. Non, je pense qu'on va le mettre ici et on va juste décaler
celui-là par ici. Qui fait qu'on décale le tout comme ça. Et ça comme ça. Donc normalement, notre produit, une fois qu'il passe là-dedans, hop, il est à la force maximum. Donc là, on devrait pouvoir le vendre pas mal. Ça, ça va être cool. On va continuer nos analyses. On va le continuer ici. Invalid position. Avec ce produit-là. You have released a new product. Et là, en fait, ouais, je dis on le décale. On le décale, mais on fait surtout des bêtises. Voilà, comme ça on, new ingredient on discovered. Le vendra beaucoup mieux. Calme les symptômes du rhume. Ok, c'est intéressant tout ça. Donc ça fait que on va pouvoir le renvoyer directement aller étudier les fourmillons moines. Et après il nous faudra les expéditions polaires. Expéditions polaires. Dans nos recherches, où est-ce qu'on en est? Ça avance gentiment ici aussi. On va accélérer un petit peu. Espionnage industriel. Analysis complete. Pour être intéressant. Mais on va partir sur les brevets directement. Donc là, on a diminué le coût d'achat des passerelles et le coût d'achat des machines, c'est bien. Ok, public rétréci, faudra pas qu'on le rapproche de ça. Et lui, il commence à avoir des niveaux 2. Donc on continue nos analyses. Ce qui nous intéresse, c'est les ulcères de l'estomac. Du coup, en fait, c'est ce que le concurrent vient de développer. Il faudrait qu'on puisse améliorer ça. À savoir si on a la puissance max. Analysis complete. Ok, on est presque à la puissance max. Si on regarde, force max à 10 et nous on est à 11. Donc forcément, on va le passer dans un petit dissolveur. Lui, on va le mettre à analyser. On va faire comme ça, hop. Hop. Le dissolveur, il a pas la forme qui nous intéresse, enfin la meilleure forme possible, mais c'est pas grave. Quoi qu'on pourrait gagner de la place en faisant comme ça. Voilà. Alors oui, c'est bien un dissolveur. J'avais peur d'avoir dit une bêtise. Donc maintenant, on va étudier celui-là. Mais je doute que ça soit intéressant de changer, sinon on aura un effet. A competitor has completed a new patent. Ok. Il commence à avoir la possibilité de faire des brevets. Alors nous, ça va être très intéressant. On va bloquer un concurrent avec un brevet. Dès qu'on aura pu rechercher sur les brevets. On va se faire un petit brevet pour le bloquer contre un des produits qu'on a développé. Parce que c'est vraiment un produit très intéressant qu'on a là. C'est celui-là. You have released a new product. Et donc on a un nouveau produit sur le marché. On va tout de suite aller voir ça. Nous on a deux soulages et ulcères. Maintenant on vend celui-là, on vend plus celui-là. On va pouvoir augmenter un petit peu. Voilà. Sans oublier, j'oublie assez souvent, mais je veux pas me retrouver avec un petit problème ici. Là, on en a un qui est une note de B, c'est pas mal. Soigne hyperthyroïdie, lui, il a une note de D, c'est moyen. C. Ok, c'est, ça va. C'est plus, ça serait l'idéal. Après celui-là, donc il a une note de B. On l'analysera juste après. Research complete.
Recherche complète. Ça tombe bien. On va avoir besoin de notre autoclave juste après. Allez. Il nous faut ces brevets. A competitor has released a new product. Ça me tombe sur rue. A competitor has released a new cauchemar, product. OK. Traite l'angine et soigne l'hyperthyroïdie. On va aller. Du coup, comme on a analysé tout ça. Ouais, c'est pas le plus intéressant du monde. Hop, on remet la production et on va partir sur l'analyse de notre dernier. On va le caler ici. Tchac. Et mince, oups, je fais encore de petites bêtises. Là, on a plein de choses à savoir. Alors d'ailleurs, on sait déjà pour les pupilles rétrécies, la force max qui est à 1. Pour le reste, on sait pas encore. Allez. Il nous faut ces brevets. On va juste aller analyser du côté des ingrédients en attendant. Donc lui, il va bientôt débloquer quelque chose. C'est bien. En fait, la meilleure vue pour regarder si on a des choses intéressantes à faire. New ingredient discovered. Research complete. Alors, on a débloqué un lubrifiant. 30% de vente si ce médicament contient un remède de la famille santé sexuelle. D'accord. D'accord, mais sinon il provoque des attaques et il assèche la bouche. A competitor has released a new product. Faut pas le prendre avec la bouche. Recherche terminée. D'accord, c'est bien. On va pouvoir déverrouiller la possibilité de breveter des produits. Il peut breveter des remèdes jusqu'au niveau 1. Et oh, réduit les risques d'attaque. Il a déjà débloqué l'autoclave. Donc on a les brevets, c'est bien. Hop, on va l'améliorer pour avoir les produits niveau 2. Ici, on va gentiment chaque fois améliorer grâce à nos explorateurs qu'on va garder un petit peu nos produits. Et donc on va s'attaquer à un brevet. Comment est-ce qu'on fait? Ah oui, on va dans l'onglet compagnie. Et on va breveter celui-là, parce que, voilà, si on va ici, il nous a copié, et ça c'est pas cool. Donc, monsieur, pour... Ok, on va déjà se faire un premier brevet pour 12 mois, ça nous prendra 3 mois à élaborer le brevet. Mais voilà, donc lui, on l'empêche de faire ça, il a encore quoi? Donc elle, ça nous concerne pas trop. Soulage les ulcères de l'estomac et traite l'angine. Soulage les ulcères de l'estomac et traite l'angine. Est-ce que je fais des brevets? Non, il me rapporte pas suffisamment. On va dire qu'on fait des brevets seulement s'il nous rapporte au minimum un profit quotidien de 200$ pour l'instant. Je pense que c'est une bonne idée. On part là-dessus. Ok, donc on a notre brevet qui est en cours d'élaboration. Au niveau des recherches. Hop. Est-ce qu'on part sur globalisation ou... De toute façon, là, il va m'en falloir plus. Ah, on pourrait rechercher ça, j'ai jamais utilisé. L'empacteuse. Et la machine à crème qui réduit la force des effets secondaires des médicaments. D'accord. Ça peut être intéressant par exemple. Ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, on va transformer ici. Celui-là par exemple, on va l'augmenter de 3. Encore. Donc là, on passe à 11. Hop. Et on va encore l'augmenter de 3. Ça, on enlève. Et on va faire une petite machine à crème. Machine à crème, voilà. Oh, la forme nous arrange pas du tout. Pourquoi ils ont fait une forme pareille?
On va décaler un petit peu ces trucs. C'est juste pour avoir une sortie plutôt comme ça. Alors apparemment la machine à crème a un délai plutôt court. Invalid position. Là, si on arrive à décaler par ici. Non, on va faire quelque chose comme ça. Donc là, on l'amène ici, hop. Ensuite il passe par là, il passe par là. Là, et il revient comme ça. Ça me semble plutôt juste. Ouais, quoique... Non, c'est... On peut juste le caler plus comme ça. Et donc, apparemment, voilà, il y a une durée de traitement de 1. Donc on n'a pas besoin d'en mettre deux. Par contre, voilà, la forme nous arrange moins. On va juste vérifier que notre produit se fait correct. Analysis complete. A competitor has released a new product. Donc voilà. On est à 14. Force max 14 pour ce produit, c'est bien. Par contre, ça provoque des cauchemars, mais la force sera diminuée par 2 grâce à la machine à crème. Analysis c'est quelque chose qu'on n'a jamais regardé, mais voilà. Donc maintenant, les cauchemars ont une force de 33. Et augmente la valeur combinée de 30. Ok. Analyse. Combat le TDA, ici. Celui averti, ok. Et un antibiotique qui était... Ok. Les concurrents commencent à faire des produits. You have released a new product. Voilà, et on a notre produit ici. Analysis complete. Qui nous rapporte pas mal, c'est bien. On a notre brevet qui va bientôt arriver. Ça c'est cool. Calme les remontées acides, c'est ici. Et donc, une insidieuse maladie s'est répandue sur tout le pays. Elle se nomme Yoga. Ok, les gens mettent le zen à toutes les sauces et comptent moins sur les médicaments pour soigner migraine, anxiété et hypertension. La demande va baisser. Alors, nous, ça va. On n'est pas trop concernés par ce truc. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié un truc. On peut mettre des cadres. Et on peut en mettre qu'un seul. Alors, un cadre ici. On a quoi comme produit qui se vend bien? Bah, celui-là, clairement. Comme on va interdire de vendre notre concurrent, on augmente bien ça. Ici, celui-là, on le limite un peu. Il a un coût de production assez cher. Et pour l'instant, bah, on va mettre un représentant de commerce. Voilà, c'est intéressant. Ici, on a tout analysé. La force max est à 16. La force max est à 16. Et on est déjà à 16, c'est parfait. Jack, on va pouvoir continuer à en vendre plein. Et d'ailleurs, la machine à crème augmente la valeur combinée de 30. Donc ça serait intéressant ici de mettre une machine à crème. Étant donné que, si je comprends bien, augmente la valeur combinée, ça veut dire que ça augmente la valeur si on combine des produits. On va voir combien ça nous rapporte si on fait ça. Research complete. On a quoi? On a celle-là en sous forme de crème.
Donc on a interdit l'autre. On fait un brevet sur ça, c'est bien. On fait un bon profit, c'est bien. Alors, le représentant, du coup, il va plutôt venir sur celui-là. Et on augmente un petit peu la valeur. On a l'empacteuse ici. Permet de placer des produits finis à l'identique dans une... Et identique dans une boîte exportable. Vous utilisez ainsi moins de sas d'export pour entreposer plus efficacement vos médicaments. Alors, je vois qu'on a bientôt un truc complet. On va attendre que ça soit fini et on va vite aller faire une recherche là-dessus. Hop, voilà, on a l'autoclave. On a notre brevet. Merci, merci. Il couvre tout comprimé ayant effet actif de ça. Expire dans 12 mois. On l'embêtera bien avec ça. Pour l'instant, on va garder les deux là. Et on va essayer d'améliorer un petit peu nos petites machines. Les ingrédients aussi, on peut les améliorer gentiment. Et donc, si on va dans l'onglet remède, nous, on voulait partir sur un coupe fin et réduire les risques d'attaque. Alors, je serais assez partant pour qu'on parte déjà sur le coupe fin. Le coupe fin qui est pas encore qui a pas encore de demande. Celui-là, voilà, il y en a déjà un petit peu. Le coupe fin, donc soulage les ulcères de l'estomac. On en a déjà un qui soulage les ulcères de l'estomac. Ouais. Le chop ulcère. Le chop ulcère, où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Et il est direct ici. Pour l'améliorer, il faut aller entre 6 et 8. Là, à 17, ça va descendre à 8. Alors, l'autoclave, dans notre configuration, il a une durée de traitement de 2. Ouais, ok. C'est juste, c'est bien ça. Le truc, comme il a une durée de traitement de 2, on va juste aller voir dans les recherches. On diminue juste les coûts, mais pour l'instant, on peut pas diminuer la durée de production. Bon, on va se faire une chaîne d'autoclay. Vous allez voir, ça va être marrant. Sacrée machinerie que l'on va faire là. Invalid position. Bon, en fait, on va se faire un petit peu de place parce que là, ça va être invalid position. Mais donc, il y a juste celui-là. Si on le fait rentrer comme ça. Non, là, il nous faut la sortie. En fait, ça va faire comme ça. Invalid position. Là, on a l'entrée. Là, on a la sortie. Invalid position. Et on a l'autre sortie comme ça. Il y a juste celui-là. Qui m'arrange pas trop. Invalid position. Ça aurait été vachement pratique de pouvoir faire des choses comme ça. Parce que finalement, on va peut-être...
Ouais, finalement, on va tout dégager. Invalid position. Voilà, on fait ça comme ça. Chuck vient ici. Il va là. Et il va là. La sortie passe par là, passe par là. Voilà. Ici, l'entrée va comme ça. Et là, on se fait les deux sorties comme ça. On va tester cette ligne de production. Donc déjà, on va pouvoir le passer dans l'autoclave ici. Une deuxième fois. Donc ça va envoyer ici comme ça. Check. Et donc là, maintenant, on a notre coupe fin. Et notre coupe fin, il est actif entre 11 et 15. On est actuellement à 4. Donc, il faut l'augmenter de 7. Ici, on a quoi? On a un truc qui diminue, un truc qui diminue. Et qui diminue. C'est pas ce qui nous intéresse. On va pouvoir les ranger. Et donc pour l'augmenter de 7, on va utiliser ça. Tiens d'ailleurs, est-ce que j'en ai pas en réserve quelque part? Pour l'instant non. D'ailleurs, un diffuseur d'ultraviolet, est-ce qu'on peut rechercher ça? Où est-ce que c'est que cette recherche? Il est là. Donc il nous faudra les traitements spécialisés. Et pour ça... Pour ça, il faut qu'on fasse des recherches par ici. Ça prend 6 mois et 6 mois. Là, on a la machine à seringue. Qui peut être très 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 intéressant. Et là, on peut faire des sachets. On va faire ça. Hop, on va envoyer plein de chercheurs de ce côté. Et on va essayer d'aller assez vite vers le diffuseur d'ultraviolet. Mais en attendant, on va l'augmenter de 7. Alors pour 7, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va prendre ça. Et ça. Et donc là... Donc là, hop, si je prends ça et je le mets ici. Normalement, on a un coupe fin. Voilà, on va pouvoir mettre tout de suite l'analyseur en sortie. Comme ça, on va pouvoir analyser et savoir qu'est-ce que vaut ce médicament. On va voir un petit peu combien il nous rapporte. Donc là, on a un brevet. Donc, normalement, il a arrêté de le vendre. C'est bien. On a notre coupe fin. Notre coupe fin que l'on va... On va d'ailleurs enlever... Non. Si. On enlève le représentant sur celui-là et on le met sur celui-là. Une petite marge. Allez, 6%. Concernant nos objectifs, on progresse gentiment. Alors pour l'instant, on peut pas encore voir correctement la valeur. A competitor has released a new product. Et ça va être intéressant de faire un brevet. Je pense que ça va être intéressant aussi de faire un brevet pour celui-là. Alors, bien sûr, il faudra les brevets pour niveau 3. Là,
On va juste attendre que on ait fini l'analyse. Analysis complete. Ici, combat le TDA. Elle a carrément mis une crème comme moi. Ok, donc il faudra refaire un brevet. Coupe fin. C'est cette valeur la meilleure. Et actuellement, il nous faudrait encore l'augmenter de 1. Alors, pour l'augmenter encore juste de 1, on va faire ça comme ça. Tchac, voilà. Comme ça, on a le meilleur produit imaginable. Force 100%. You have released a new product. Du coup, on va pouvoir terminer l'épisode gentiment. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est juste de refaire un brevet pour celui-là, qui nous rapporte pas mal. 12 mois. On va élaborer un brevet juste pour ça. Et je pense que c'est pas mal. Ok, du coup, sur ce, on a bien avancé. L'épisode touche déjà à sa fin. On va encore juste améliorer un petit peu les petits ingrédients. Tchac, tchac. Il nous reste 2 qu'on va mettre ici. Et j'arrête de faire des choses, comme ça on va pouvoir se laisser. On va juste regarder les objectifs. Il nous reste encore pas mal, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme pour les prochains épisodes, parce que j'aimerais... Il faut quand même se bouger là pour le rang master. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour produire plein de nouveaux médicaments. Allez, à bientôt les amis.